monde, avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'on est tout un peu bouche bée. Les affaires comme se déroulent assez, se déchaînent assez rapidement. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'imagine que vous me comprenez. Aussi, moi et Iman, on s'est dit que ça nous ferait plaisir d'aller vous porter un petit paquet si vous êtes dans le gros besoin, que vous n'avez pas de papier de toilette ou que vous n'avez pas de nourriture. Je vais mettre un petit collant ici. OK? Et vous avez juste à m'écrire et je vais communiquer avec vous en privé dans les... fais pas ça! Dans les alentours de Trois-Rivières. Ça va nous faire vraiment plaisir d'aller vous porter quelques effets. Sur le bord de votre porte, on va se faire bye-bye par la fenêtre, mais pas plus parce que je veux pas qu'on se donne des germes. Mais si vous êtes vraiment dans le gros, gros besoin, là, on parle de gros besoin, écrivez-moi et on va s'organiser pour passer au courant de la journée. Voilà. Dehors pour la première fois depuis 3 jours. La gaspille en va! Si on dirait j'en mets partout. Ah, mais faites attention quand vous en mettez sur du blanc. J'ai remarqué que ça fait des coulisses jaunes. Ah ouais? C'est vraiment. Okay. J'aime mieux les trucs au sol de même. En lingette, hein? En lingette, c'est mieux. En tout cas, s'il y avait la grippe. Moana! Je suis prête, j'ai mes désinfectantes. Mes lingettes désinfectantes pour les mains et mon lissol pour mettre sur les gants de sac qu'on s'en va porter. On fait juste sortir pour. On va comme pas rencontrer les gens, on va comme leur déposer. Je fais juste, dans le fond, je vais désinfecter les. Les trucs qu'on donne. Les trucs qu'on donne. Quand même, là, je sais qu'on est comme peut-être fous, là, mais. Non, mais on veut rester comme en quarantaine, fait qu'on rencontrera pas personne, puis on va désinfecter ce qu'on donne, puis on va le déposer. Exactement. Sur le bas de la porte. C'est pas mal ça, puis on va passer sur notre temps à se laver les mains. Puis on reste dans l'auto. Oui, c'est ça, on reste dans l'auto. Fait que je vais vous dire de quoi aussi. Si vous manquez de papier de toilette, achetez-vous des lingettes Kendo. Kendo, j'avais déjà travaillé avec eux, là, tu te rappelles? Ouais. C'est pour les enfants. Ça va dans la toilette. Hein. Ça va c'est dans ça, toilette, c'est vrai. C'est t'as raison. Dans la toilette, mais je suis vraiment pas certaine que le monde pense à ça. Il doit en rester encore beaucoup, puis en plus, c'est un peu humidifié. Fait que. Ça nettoie bien. I'm your Paris, you're my Helen, yeah, we safe in Troy. La-di-da-di-da-di-da. Je vais vous montrer la situation de la valise en arrière de moi. C'est assez fou. C'est rempli de stock pour des familles qui sont dans le besoin présentement. Papier de toilette. On a des ramen, on a des goldfish, on a des beaucoup, beaucoup de pâtes, de la sauce à pâtes. J'ai des sacs réutilisables que je vais leur mettre de même. Des patates en purée, tout ça. On a même des gants pour aller remettre ça. On a des pâtes. Encore du papier de toilette. En tout cas, fait que la valise est pas mal assez pleine. Puis on va faire nos petits sacs. On va assembler ça. Et on va se revoir tantôt. Goldfish. Toujours bon. des wipes de bébé parce qu'une maman qui m'a écrit qu'elle avait plus de wipes de bébé. Ben pas plus, mais elle avait pas en manqué. Puis elle était prise à la maison avec son petit bébé. Après ça, j'ai déjà mis du papier de toilette. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça. J'essaie de comme dispatcher pour que tout le monde soit pas mal égal. On va mettre des soupes ramen. Sac et plein. C'est des bons sacs pareil, ça? Comme alors, le petit papier dessus. Ouais. Pense à tout. Voilà, le sac est plein. Priscilla pense à tout. Et j'ai renvoyé encore une autre demande présentement pour ceux qui étaient dans le besoin. Parce que vu qu'on a comme sorti déjà, je me suis dit, c'est en temps espérant de... d'en avoir d'autres. Qui était vraiment dans le besoin, mais tu sais, vous avez été vraiment gentil en passant. Je vais vous dire merci comme pour tous les messages que, vous nous avez envoyés disant que c'était vraiment cool de faire ça avec la merch puis tout ça parce que. Oui, puis il y en a qui disaient genre, ah, moi j'aurais pu en prendre, mais tu sais, je suis pas dans le besoin, je vais laisser ça à d'autres. Vous avez été vraiment gentil. Besoin, ceux qui auraient pu demander des choses,
se sont dit, certains se sont dit, je suis pas tant dans le besoin, donne-en à d'autres, fait que c'est vraiment cool. C'est vraiment gentil. Il y en a qui sont vraiment pris chez eux pour comme au moins 2 semaines. Il y en a qui sont enceintes. Ah, TVA est là-bas, on va travailler avec TVA aujourd'hui. Ah, j'ai même acheté du savon. TVA nouvelle. Pourquoi il est dessus, je sais pas, TVA est là. Je sais pas. J'ai acheté du savon aussi, pour le corps. Il nous regarde full, TVA. Oui. Moi, j'ai des visages full. Hein? J'ai acheté. On a trouvé leur spot. Ils voulaient se placer ici, genre pour dire. Alors, c'est le calme plat. Et encore une fois, je voulais vous dire merci pour tous ceux qui ont acheté de la merch et qui continuent à en acheter parce que on se sert vraiment de cet argent-là. Puis c'était le but de ça. Ouais, de se servir de cet argent-là pour remettre à notre prochain. D'une façon ou d'une autre. D'une façon, là, c'est un bon temps. Fait que là, c'est comme on a comme fait go, let's go. On se sert de cet argent-là. On s'en va acheter des réserves. C'était bizarre à la TVA. Ouais. Donc là, on est en route pour aller distribuer. Je veux juste pas que l'adresse soit révélée. Dans ça, on va trouver pas où ce que les gens restent. C'est ça, je vais comme pas filmer ça. Fait qu'on verra comme pas vraiment de ça, là. Mais on va le laisser sur le bord de la porte. On filmera nos pieds au pire qu'il laisse sur le bord de la porte. Je veux garder comme vos infos personnelles. Vous comprenez? Exactement. Quelle demeure. Oui. Et je me... c'est à droite, ouais. Ok, non, je continue. Non, c'est correct, c'est bon. Ok, fait qu'on va couper. Mon sel est tombé. On va couper cela. On s'en va tantôt. Woo! First, je me mets du désinfectant sur les mains. Ok? Check it out. Je sais que je suis peut-être folle, mais je me sentirais trop mal de le donner à quelqu'un. Okay. Là, je me mets du désinfectant aux mains. Ensuite, elle, c'est le sac que j'avais préparé là. Juste pour vérifier que tout est là. Il manque rien. Amène, mais... des palettes de chocolat! Il était deux, elle et son chum, ok. Ah! Priscilla, vous êtes chanceux d'avoir Priscilla dans vos vies parce que si c'était juste moi, vous auriez des choses, mais vous auriez pas moi, la petite attention. C'est pour ça, j'en ai tout donné là. Eh oui, je suis folle de même. Hello, tu le fasses? Voilà. Un autre place. C'est plein. Avec des watches. Elle est enceinte, c'est ça? Non, elle a un bébé. Elle a un bébé naissant. Je suis pas capable de fermer ça. Ben oui, mon truck, il est pas femme toute seule. Ma femme arrive de mon truck, tout ça. Prochain client. Allô. Alors, on vient de revenir à la maison. On est tellement content de vous avoir rencontré, ceux qu'on a pu voir. C'est le certain qu'on a vu par la fenêtre, qui sont ils ont ouvert la porte. On n'a pas collé personne, inquiétez-vous. On n'a pas collé personne. D'autres, on vous a pas vu, mais on vous a laissé les messages, qu'on vous a laissé les trucs. Ça nous a fait tellement plaisir et je pense qu'il nous reste encore quelques petites choses. Oui. Si jamais vous êtes pris en quarantaine puis que vous habitez dans les alentours de Trois-Rivières, écrivez-nous sur Instagram, ça va nous faire plaisir. À DM, à Priscilla ou à moi. Oui. Ça va nous faire plaisir de aller vous porter oui, des rations. Parce que ça nous permet de pouvoir sortir. Alors, on est content de sortir de notre quarantaine un peu juste pour aller vous porter ça. On sort, mais sans sortir, tu sais, on fait vraiment attention pour vrai. Là. On se lave les mains, on lave qu'est-ce qu'on vous donne, puis on le dépose, puis on s'en va. Mm-hmm. Fait que, tu sais, on brise pas notre quarantaine, puis ça nous fait du bien de sortir un peu, puis de vous voir de loin pendant cette période-là. J'espère que ça va bien pour vous jusqu'à maintenant. Nous, quarantaine jour 3. Jour 3. Guys, on se voit demain parce que pendant la période de la quarantaine, on vous donne du contenu tous les jours. On s'est engagé à ça. T'sais, ça nous fait plaisir. On passe du temps tout ensemble. Oui, c'est ça. On tue le temps. Oui. Hein? Et on va en sortir plus fort de toute cette histoire-là. Alors, on se voit demain, tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand on poste des nouvelles vidéos. On se voit demain. On vous 4h30. Bye. Bye. We've got just one.